Bonjour à tous, très appliqué ces dernières semaines, le numéro 5, Joie de la Côte, cherche sa course avec application. Cette pensionnaire de Simon Laloum possède vitesse et tenue. Sa récente prestation sur les 2100 mètres de Vincennes atteste sa forme actuelle. De nouveau pieds nus, elle ne doit pas descendre du podium. Je vais lui opposer le numéro 2, Jalapa du Buisson, qui lorsqu'elle daigne rester au trot, descend rarement des podiums, elle aussi. Cette protégée de Thierry Ravjo s'adapte à tous les parcours et sa récente troisième place enregistrée à Vincennes prouve qu'elle est au top de sa forme, de nouveau confié à Eric Raffin, une confirmation de sa part est tout simplement attendue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre sur Twitter et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la sixième.